Allez! Bah, Mina, j'ai pas tout acheté non plus, les Zoulous, ils ont rien. Je savais pas. Ah, Mina, je n'étais pas sûr, il y avait de mort. Les aventures de porcine. C'est pareil, un orbe. Sonic. Vous les vendez combien vos jeux? 10 Sonic. 10 Sonic. Les vieux jeux. Les vieux vieux jeux. Ouais. 5. Ok. Il y avait que ça dans les autres chaises là. Tain, on dirait un mec avant de démarrer une course. This is the wall. Et... They see me rolling, they hating, patrolling and trying. On va peut-être commencer. Salut à tous, c'est Saran, je suis avec Alès. Salut Alès. Salut. Ça va bien? Bien toi? Ouais, ça va super. On a fait plein de vide-greniers parce qu'on a vraiment trop de la chance et on a acheté plein de trucs à pas cher parce qu'on a vraiment pas trop de sous. Vous pouvez nous appeler David la chance. Parce qu'il y a eu l'après quai des bulles pour moi Sandar où ça a été vraiment très très dur parce qu'on a vraiment trouvé des trucs vraiment trop cool. On savait pas trop si on faisait une vidéo avec Sandar d'ailleurs. Donnez votre avis les haters. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur quai des bulles, ce qu'on a trouvé ou pas? Yeah. Ça c'est un paquet de cartes, j'en ai eu 10 pour 50 centimes. Brésillon, Taignon, Delcati, Béquipan, Articodin, Mascaïman, Moufouette, Total Soin, Rapace de Pique, Balbuto, et voilà. Pas mal de reverse et de rares. Après, on continue avec un paquet de cartes que je vais pas vous montrer en bas. Une centaine de cartes, 3 euros c'est annoncé, mais je l'ai négocié à 2 euros parce que je trouvais ça un peu cher. J'avais regardé un peu ce qu'il y avait dedans et bon, les états étaient pas magnifiques, mais il y avait genre Celebi Holo qui est vraiment joli. La tierce en holographique, donc imaginez que j'ai pris ces deux-là 2 euros avec tout ça gratos quoi, en gros quoi. Ouais, voilà. On a trouvé Kid Icarus. Uprising, c'est celui où il y avait la boîte avec les cartes. Il me semble que c'était celui-là hein, où tu avais les cartes avec. Il était annoncé à 15. Avec Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Ouais. Qui était annoncé à 5 euros. C'est ça. Il est complet, complet pareil. Pas pareillé, bon état. Hein. Et c'est là, un jeu de combat, comme tous les Dragon Ball d'ailleurs. Mais comme la plupart. Ouais. C'est même sans qu'avec les cartes, ouais. Qu'avec les cartes à 50 centimes, le tas de 10. Ouais. Moi, j'ai fait une très bonne affaire. Mafia 3 qui vient tout juste de sortir. Et je l'ai payé 15 euros, sachant qu'il vaut encore 45 ou 40 euros d'occasion. Moi qui voulais le faire et qui voulais l'acheter en neuf, bah au final, j'ai fait une très grosse économie en achetant celui-ci. C'est hein. Clair. On va pas cracher dessus, quoi. Ah, tout à fait d'accord. Mais oui, Michel, qu'est-ce que tu te crois? J'ai bien sûr. On a trouvé dans un bac des figurines à 50 centimes les deux. C'est ça, il y avait que du McDo. Peau de Kung Fu Panda, ça je l'ai pris pour mon ami Aurel. Un petit Fennec qui fait des wheeling. Ou pas, qui est vraiment cool. Moi j'aime bien ce Pokémon en plus, cool. Donc ou pas. Ou pas. Blague de merde. Même ça te ressemble, c'est bien. POPOPO! Rainbow Dash, mon personnage préféré de MLP, comme plein de gens de façon. MLP c'est cool, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment chouette. J'ai chopé le Batman McDo qui lance les POG, le Thor Tank McDo qui crache de l'eau, le Mewtwo Rayquaza, il bouge juste la bouche quoi, et en gros il sert à rien ce jouet. Bonjour, je m'appelle Rayquaza. Vous connaissez sûrement le jeu Labyrinthe, et là on a trouvé le Labyrinthe version Spider-Man. Il était annoncé à 4€, j'ai hésité pas mal, et la personne m'a directement baissé le prix à 3€. Parfait état, il a mal l'air complet. C'est du Marvel, donc c'est plutôt cool, quoi. Ça vous intéresse? Ouais, dessinateur de Danny et de Bob Groot. Très... Il y a des belles planches, hein, je sais pas tout... Surtout celle de... qui est à côté, pas l'autre, parce que l'autre c'est moins... Mais Danny, c'est mais... ça, c'est ce style-là, Danny. Hein. Très cartoon, voilà, c'est ça, tu vois, très comme ça. Ouais. C'était 3€, j'ai négocié à 2. Je trouve ça cool. PET édition, ce qui veut dire PT édition. Ouais. Voilà, ça, je me blague. Donc, voilà. Et là, on est vraiment sur du très très lourd. On va commencer par un premier lot que j'ai payé 5€ avec un jeu, et il est où ce jeu? Tu as dû l'oublier dans le sac.
Ou si tu l'as oublié là-bas. Je l'ai oublié là-bas, je pense. Moment de malaise. En fait, j'ai acheté un autre carte Pokémon, il y avait un jeu de PS2 qui m'intéressait. Le jeu de PS2, j'avais négocié Xbox. À... Xbox, pardon. Classique. Je l'avais négocié à 1€. Mais je crois que le jeu, je l'ai oublié sur le stand, parce qu'on le retrouve pas. Parce que voilà, c'était un jeu Jurassic Park, c'était cool, complet, bon, c'est pas grave. Et j'ai négocié à 5€ avec le jeu. Donc ça va, donc quoi qu'il arrive, 5€ pour les 6 cartes. Un Léviateur holo du set de base, qui est un peu abîmé, mais qui est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool, je ne l'avais pas dans la collection. Elle est très belle, cette carte. Ensuite, un autre Léviator holo, un Elecable FB niveau X, Typhlosion holo, Amonistar de toute dernière extension, et on finit avec un Pharamp Prime. Vraiment cool. Pharamp est un de mes Pokémon préférés. Ah bah, Watt. Je l'ai peut-être en double, je vais regarder. On va continuer avec le lot effectivement le plus cher, le plus gros. J'ai payé un paquet de cartes, 6 cartes pour 20€. Le Shaymin, voilà, elle était là en plus, elle est un peu abîmée. C'est une carte à l'échange, ou voilà. C'est quoi. Ça. Quatox X de XY Étincelle. Un Camerupt X de Primoshock. Un Blind Epic Turbo. Je voulais mettre dans ce sens-là, vu que c'est une turbo. Rupture Turbo, d'ailleurs. De Rupture Turbo. On continue avec un Florges X. La carte, vraiment, c'est dommage, elle est un poil abîmée en bas et tout. Pour une foulard, c'est bête. Et on finit avec trop cool, une Sepiatros X. Donc, elle qui est en très bon état. Non, bah, je sais pas. Je sais pas si je l'ai, justement. Ça fait zizir. Je ne sais pas si on va retrouver ce jeu de Xbox un jour, mais en tout cas, c'était vraiment cool. On fera une petite vignette si on l'a trouvé. C'était vraiment trop cool, ce jeu. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Si je l'ai oublié, je suis un peu déçu. Au revoir, à la semaine prochaine. Bisous, ciao, tantôt. T'as quelque chose à dire? Non? Oui? Voilà, lol, XD, plein de jeux. Lol, bisous, tantôt. My Little Pony, lol, XD, Celebi. On va pouvoir coiffer sa queue. Voilà, pour toutes les petites filles. Brosser des queues.